Moi, tout le temps, une anecdote te raconter quand mon petit bébé. La chanson Lambada, tu fais que sortir. Et moi, je suis un peu bien dormi. Commence à jouer le radio, me lever, me dire Bada, Bada. Au fait, c'était comme si la chose était déjà dans moi, au fait. Et la musique, tout le temps, anime moi. Et je me rappelle quand tu dis à moi, comme petit qui, métier, t'as envie de faire devenir grand. J'ai envie de devenir chanteuse. Et ça, désir là, ça arrive là, il toujours anime moi. Et un jour, je me souviens avec un camarade, me dit, on est beaucoup en santé, mais moi, par contre, personne. Je vois une personne qui est capable d'accompagner moi musicalement. Camarade l'appelle Maxwell. Et je me dis, mais tout, il y a un musicien à Palmore. Il appelle Lindsay Henry. Là, il me présente moi Lindsay. Moi, je suis 17 ans, puis à 18 ans. Il présente moi Lindsay. Lindsay prend moi sous son aile. À partir de là, nous commence à répéter, travail Manmoso, comment européenne, Manmoso variété. Nous commence à travailler ma composition. Moi, tout le temps compose ban texte en français et en anglais parce qu'académiquement c'est ce qui me fait apprendre. Créole, moi, tu peux causer la case, bien sûr, mais jamais comme si mon pas je trouve ça donne une vision que mon cas avait créé en créole. Là, là, je suis avec un pianiste qui s'appelle Stéphane, ici, il habite à Palma. Là, il m'encourage, il m'a dit, si tu es capable d'écrire aussi bien en français et en anglais, ton langage, tu es capable d'écrire encore plus joli. Donc, fais un effort, essaye d'écrire un texte. En français, en créole. Et là, mon écrit un texte en créole, et c'est vrai, à partir de là, les larmes commencent aussi à inclure le langage créole dans mon texte. Donc, je dis voilà, donc, m'écrire une chanson, une figure, un album. Là, maintenant, me sentais avec un groupe Exotical Groove. Nous tournons partout dans ma fête, dans ma concert, nous travaillons avec ben, plusieurs artistes dans ma concert, nous accompagnons d'autres. Ben, projet d'ailleurs avec le ministère. Ministère Art et Culture qui finit faire, donc un concert. Et aussi, nous sommes à l'hôtel, nous faisons une soirée à l'hôtel, donc variété mauricienne. Donc voilà. Qu'est-ce que moi, ce qui intéresse moi, surtout dans le santé, c'est les mots, le texte, le sens de ce qui ça chanteur-là, chanteuse-là peut raconter. Mais la musique aussi a ce rôle à jouer puisque les notes ils touchent ma émotion, ils amènent ma émotion. Donc, mon pensée, un artiste ou une chanteur ou une chanteuse, il y a sa sensibilité là, sensibilité des mots, sensibilité des sons, voilà, et feeling. Souvent, je dis à un artiste, c'est un monde qui est une broken person, donc qui a une blessure, un moment dans sa vie qui permet de venir prendre sa émotion, un peu sur la table au public. Et très souvent livré, parce que si maintenant nous vivons une vie qui est trop linéaire, nous pas arrivé à comprendre toutes affaires. Et vous pensez, un autiste, c'est surtout si ça m'a une blessure, là, sa sensibilité là qui fait un autiste. Tous les autistes sourire, mon âme coulée. La souffrir mes pas, mon âme coulée, toi t'es pas là. Tous les os sortis sourire, mon âme coulée, toi t'es pas là. La douleur prend mes pas, mon âme coulée, toi t'es pas là.
touche le fond. Quoi faire, à quoi bon? Sans toi je me noie. Et pire le silence de notre chambre me tue à chaque fois que je pense à toi. T'en aller, t'en aller. Ce petit sourire, mon larme coulée, toi t'es pas là. Le douleur ce premier pas, mon larme coulée, toi t'es pas là. Tous les jours ce petit sourire, mon larme coulée, toi t'es pas là. Le douleur ce premier pas, mon larme coulée. Ce petit sourire, mon larme coulée, toi t'es pas là. Le douleur ce premier pas, mon larme coulée, toi t'es pas là. Tous les jours ce petit sourire, mon larme coulée, toi t'es pas là. Le douleur ce premier pas, mon larme coulée. Pensez que man aussi man cours vocal, man formation vocale, est très très important. Former, apprendre, être coaché pour donner le meilleur de soi-même, est très très important. Et oui, donc malheureusement, bon, c'est man cours qui est assez rare quand même à Maurice, donc il y a beaucoup de monde qui fait aller. Et en tant que Maurice ici à Palma, donc à gagner accès à sa man coach vocal. Il est assez difficile puisque la plupart se trouvent en ville et si on a le moyen de transport, il est assez difficile. Mais oui, il est très très important d'être formé, d'être coaché pour qu'il donne meilleurs résultats. Alors, à un moment, je suis coaché par Madame Nathalie Devo, qui habite à Baie-du-Tombo. L'itin coach, moi, c'est une chanteuse lyrique qui fait une chanteuse opéra, qui fait une chanson opéra. Donc, il forme moi pendant à peu près un an, il suit moi. Mais après, effectivement, mon calendrier. Et pour lui, pas trop tali, donc c'est un peu difficile pour nous joindre. Mais oui, il pour moi, il apporte moi beaucoup, en tout cas, dans mon cahier artistique. Il me permet de moi travailler énormément. Le fait de travailler aussi avec mon groupe, ça me permet de moi quand même apprendre énormément et avancer énormément. La culture, il englobe tout ce qui est artistique, tout ce qui est histoire, tout ce qui révèle de l'histoire de l'art, en fait, en général. Et nous venons à sa culture-là. Et c'est ça qui fait qu'ils ont dit « Tissi Retrounou » dans beaucoup de difficultés pour lui gagner une plateforme pour lui capable d'exprimer, pour lui gagner un public qui suit lui et qui permet de lui gagner un revenu qui permet de créer encore. Parce que très souvent, ils ont dit « Un artiste, se trouve un artiste devant la scène, etc. » Bien souvent, ça peut tirer dans ce poste pour lui capable de performer. Pour lui donner à un public sa prestation là. Alors, on a plusieurs projets. On a un projet d'ailleurs avec moi, d'abord avec mon groupe, que nous on a plusieurs singles qui sont en préparation, qui peut arriver bientôt, qui m'espérait dans les 2-3 mois. Nous avons un single pour sortir, notamment Sega dans Village, qui me fait mon cœur là-dedans, et c'est mon camarade et collègue Patricia Corentin qui est en voix principale. Ensuite, on a une autre chanson qui peut venir juste après. Qui appelle nous deux. Et là, c'est une plutôt collégiale avec toute une chanteuse du groupe qui sentait c'est une Sega Love d'ailleurs. Moi, j'ai un projet en solo avec un camarade musicien qui s'appelle Mathieu Sournois qui travaille sur un autre projet, Sega un peu plus roots et qui nous espérait aussi ça l'année-là pour qu'on sortir. Nous faisons un marathon carrément avec 15 artistes, nous accompagnons 15 artistes avec l'équipe.
Nous avons juste 2 semaines pour apprendre des morceaux pour chaque artiste. Donc, nous 30 morceaux, 2 semaines à apprendre ça avec toute l'équipe, un chœur, un musicien et tout. Nous tournons, donc nous sortons nous depuis 6h du matin, nous rentrons tout le monde à 9h du soir. Nous commençons à tourner depuis 9h jusqu'à 7h du soir. C'était au CH Constantin, à Vacquois, si je ne me pas tromper, c'est ça. Nous tournons avec Bana et franchement, le travail qu'il nous récit donné en 2 semaines, chapeau. I got issues.